Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit : L'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas, mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. Alors Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu. » Et je rends témoignage. C'est lui le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Le Baptiste, par ces mots, nous introduit dans un symbolisme très précis, celui de la Pâque. C'est ici que le sacrifice de l'agneau trouve son contexte spécifique que l'évangéliste Jean utilisera plus tard pour expliquer le sens de la mort du Messie sur la croix. Dans l'expérience du salut que Dieu a offert au peuple juif, le sang de l'agneau a joué un rôle fondamental qui était commémoré chaque année. Grâce à lui, le peuple de Dieu allait non seulement survivre à la calamité qui allait s'abattre sur toute l'Égypte, touchant aussi bien les hommes que les animaux, mais il allait aussi lui donner la force d'affronter le changement nécessaire représenté par le voyage vers une vie nouvelle. Frères et sœurs, dans ce salut offert, il n'y a pas seulement une composante salvifique qui est librement offerte par Dieu, mais c'est en vue d'un engagement à y participer afin que sa réalisation puisse être humano-divine. Dans le chemin qui a suivi la libération, le peuple a montré qu'il n'était pas à la hauteur pour participer, dirions-nous, pour faire sa part. Et c'est pourquoi Dieu envoie son Fils pour accomplir ce qui attend l'homme, pour que le royaume de Dieu se réalise. Le péché du monde, c'est-à-dire les conséquences du mal qui est fait, ne peut pas être balayé sur le tapis et oublié. Jésus les a fait tomber sur lui en rendant visible la puissance du péché par sa mort. Pour que le mal disparaisse, le regret ne suffit pas, ni le pardon seul. Il reste un trou dans le tissu de la réalité qui, tôt ou tard, s'agrandira et s'élargira. C'est un peu comme le trou dans une chaussette. Au début, c'est un petit trou, mais à force de marcher, il va s'élargir jusqu'à découvrir tout le gros orteil, rendant inutile la fonction protectrice de ce vêtement. La vie de Jésus ne nous donne pas seulement la force de vaincre et de combattre le mal, mais d'abord de le voir et ensuite d'y remédier avant qu'il n'endommage notre propre vie et celle de ceux qui nous entourent. Frères et sœurs en Christ, chers abonnés de 3 minutes d'Évangile, bon dimanche et bonne méditation.